j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Allez, là, j'ai eu un appel. On va faire une intervention d'Annie Frelan qui est dans un, apparemment dans un tonneau, un petit tonneau, je sais pas, je l'ai pas encore vu. Donc, je prends la voiture et j'y vais. On se rejoint là-bas. Allez, j'ai pris les affaires. On va traverser la maison. Allez voir ça. Je vais vous montrer ça de suite. Ouais, on est dans le village de Cazères, en Haute-Garonne. Petit nid frelon tatique. Je vois pas la taille, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir vous montrer la taille. On va voir tout ça. Allez, on traverse la maison et je vous montre ça. Et je vais vous montrer, vous allez voir, on est dans le jardin, un petit jardin, c'est les maisons de village avec un jardin derrière, et ici vous avez la terrasse de la porte et là le petit tonneau. Donc j'ai vu des frelons rentrer par ce trou là. Donc il y a des frelons qui sont rentrés par ce trou, mais j'en vois aussi rentrer là où il y a la brique verte. Donc il doit y avoir deux ouvertures. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Là, on ne voit pas grand chose. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde qui sort. À mon avis, ça doit être un nid à peu près d'une balle de voler. Ah oui, on en a vu un rentrer. Balle de voler, n'importe où. Hein. Balle de tennis. Et je m'habille et on traite ça. Allez, c'est parti pour le combat. Et comme je disais, je vais enlever les cailloux de dessus. Sans trop faire de vibration. Pour voir qu'est-ce que ça donne. Je vous montre ça. Donc on a vu des frelons rentrer et sortir par là, mais il y en a d'autres qui sont ici. Donc si on fait un peu de vibration, ouais, ça sort là. Qui me surveille tout autour de moi. Maintenant, il faut savoir bien viser où il est attaché. Je vais reposer le téléphone. Là, il va falloir que je traite ça à l'aveugle un peu. Au toucher. Essayer de toucher le nid. Avec le petit pic.
Bon, ouais, on l'a retourné, c'est ouvert de dessous. Vous voyez, on voit le nid là. Vous voyez, un petit tonneau comme ça, un petit trou, ça reste dangereux. Faites attention, la dame, elle a vu des va-et-vient d'un point fixe, elle a fait attention, elle n'a pas touché, elle a appelé un professionnel. Ça, c'était la chose la plus importante. Donc là, je vais remettre le tonneau à l'endroit. J'ai touché le nid, j'étais pas sûr, mais en fait, je savais pas que c'était ouvert dessous. Donc c'est parfait. Donc ben, là, il faut laisser agir, tous les frelons vont revenir dans le nid et mourir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, à mettre un commentaire, et moi je vous dis à très bientôt les DVD. Quoi, t'es pas abonné à Dédé Frelon? Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.